Dans le dernier épisode de Phoenix Wright Ace Attorney, nous avons reçu l'identité de l'homme qui a combiné Mademoiselle Brill. Il s'agissait de Monsieur White, Red White, dirigeant de Blue Corp, une société de recherche d'informations. Mais est-il dangereux de se diriger vers lui ? Réponse dans cet épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous retrouvons pour notre 10ème épisode, enfin la 10ème épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Ace Attorney avec Monsieur Wright qui nous dit d'autres choses avec Mademoiselle Brill et on va continuer de parler avec lui notamment de la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mage Avril ? Qui peut le dire ? Je me prête peu d'attention aux détails anodins que l'endroit, tel que l'endroit est là. Ma devise c'est Don't worry, be happy. Malgré tout, Monsieur White, le groupe de l'hôtel a certifié de vous souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut dire ce qui lui plaît, je ne dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir là-bas. Même si je doute que vous en soyez capable. Il se lève une question importante en fait. Hein. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que ma chérie là. Oh oh oh! La police, les tribunaux! Ce ne sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Excusez-moi. Là, la voix, j'ai du mal à la tenir, c'est pas grave. Reprenons. Blue Corp. En fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons des différents types d'informations. Nous sommes une société du futur, même. Nous pouvons même dire que nous sommes le futur. Vendrez informations. En y en seulement, j'ai battu cette affaire pour la mener jusque dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. Blue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui a donné ce nom, adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'adore la couleur bleue, bien sûr. Fantabulous steak, n'est-ce pas? Oula, j'ai du mal à tenir sa voix, et elle est difficile. Ce tableau. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah? Je l'ai vu hier, pour être plus exact. Où voulez-vous en venir? C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wrong, c'est ça? Right. Il me semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande, qui êtes-vous? Un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur. Nada, que dalle, matache! Tout comme cet avocat minable, Rosenberg. Rosenberger. Quoi? Quoi? Ah, ouf! Il m'a donné un coup de poing? Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser de la question? Accusez donc, et je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Mais appuyez-vous mon influence. Appelez ces tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible? Je vous demande pas de comprendre. Cela n'est pas votre rendement. Je ne demande pas de comprendre. Cela n'est pas votre entendement. Votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume. Monsieur Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question. Comment savait-il que ce tableau trône sur mon mur? Peut-être qu'il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre de son produit personnel uniquement. Partez maintenant, fugez-moi le camp. Je n'ai pas rien à vous dire. Je n'ai plus rien à vous dire. Oh, 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 je suis Monsieur Wright et je suis très grand, je suis très magnifique. Passons. Comme on nous a demandé, on va se diriger tout de suite vers l'hôtel. Non, pas vers l'hôtel, mais vers le cabinet d'avocat Rosenberg. Je crois bien qu'il ne m'a pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Ahem. D'où Jésus? Oh, c'est vous! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas aussi sénile!
Je réfléchis juste à toutes ces pagailles. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. On va parler. On va parler du projet d'aujourd'hui. Alors, vous étiez venu pour assister au procès ? Eh oui. Quelque chose me cracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Votre refus ? Comme je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé de travailler avec son avocat ? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre. Non, rien, je m'excuse. Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose me perturbe. J'ai plus en plus l'impression de savoir de quoi il s'agit. Ou plutôt, de qui il s'agit, puisqu'il s'agit de Muscle White. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Oh, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois vous avouer quelque chose qui me préoccupe. Ah bon ? Quoi donc ? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste ce grand tableau. Cette photo de Monsieur White, pourquoi ne pas défendre Maya ? Ce grand tableau. Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas ? Celui dont vous disiez ne vous avoir aucune intention de vous en séparer ? Eh bien, je l'ai revu, aujourd'hui. Dans le bureau du PG Monsieur Bluecorp. Monsieur Brad White. Alors, vous l'avez remarqué ? J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites ? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Vous êtes amant. Ça pourrait être drôle, mais le plus logique, ce serait de vous faire chanter. On va voir. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas ? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci peut être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez suppléant Mia, peut-être que c'était le destin. Mais de quoi il parle ? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et intimidations. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'il me faut chanter. 15 ans ? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous l'avez peut-être vu, sans vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. Maya White m'aurait détruit. C'est donc ça, le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêtez Red White car relève quasiment de l'impossible. Impossible ? Pourquoi ? Il possédait des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possédait juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi ? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Maintenant, on a deux nouveaux éléments à discuter. Il s'agit de l'affaire DL6, du mot-fétiche du chantage. Donc on va commencer par l'affaire DL6. Qu'est-ce que l'affaire DL6 ? DL6 correspond tout simplement aux codes donnés pour le dossier de la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante ? Son nom était Misty Fay. Fay ? Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué. La police alors cria les postures. C'est de cela dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'innocence de tous mes faits. L'absence de tous mes faits. En revanche, le crurt n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire DL6. Le motif du chantage maintenant. Mais pourquoi vous a-t-on chanté Monsieur Rosenberg ? A l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret. Cela se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'on faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir, mais quelqu'un a découvert. Je lui en ai parlé. Vous avez dit à White ? Il m'a offert les objets de grande valeur. Je n'ai aucune honte maintenant. Vraiment honte maintenant, excuse-moi. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus.
Bien entendu, White a entendu parler. Et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pas pour me faire chanter, c'était pour me faire chanter. Je vois. White, contrôlez loin de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours se mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Donc voilà, on n'a rien à faire ici, puisque là, vous avez vu qu'on a presque tout fait au niveau avec Rosenberg, monsieur Rosenberg. Et nous dirigeons tout de suite vers le bureau de Mia, donc le cabinet de l'avocat Fianco. C'est marrant, à voir cette pièce, tout a l'air si normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouve des indices. J'aurais peut-être regardé ça plus près. On va examiner la plante. La plante verte préférée de Mia. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Maintenant, le téléphone. Le bureau de Mia. Une propriété parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Et on va se diriger vers l'armoire. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? AAI. Voyons si un de ces rapports attire mon attention. ABF. Misty Faye. La mère de Maya et Mia. Est-ce que j'y jette un coup d'œil? On va le lire quand même. Je termine l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère de se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je me suis entré en contact avec les morts. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui avait vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Ce parasite, qui bâtit sa fortune sur le menace et le chantage. Son nom est... le rapport prend fin. Donc Mia savait que Rosenberg avait vendu la mèche. Maintenant, on va se diriger, on va avancer. Voilà, on va examiner les dossiers JAS. Voyons voir. JAS. Je ne vois pas grand chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être y parcourir quelques rapports vite fait. Bien sûr, on va feuilleter. Bon, il y a pas mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide? Oula! Il y a un tas de rapports sur les suicides. Hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White? C'est l'écriture de Mia? Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. Mia les a tous poussés à... Je peux utiliser coupure de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Donc coupure de presse. Ajoutez au dossier de l'affaire. Et on va continuer pour garder la troisième partie. Voilà, une dernière fois bien sûr. Mais quel dossier regarder? Et on va regarder le dossier TAZ. T-U, je sais, W, White. Il manque toute la section W. Aurait-elle été dérobée? Voilà. Donc vous avez vu qu'on a quand même récupéré quelques éléments particuliers qui nous permettent de dire que Monsieur White est impliqué dans certains suicides de politiciens, etc. qui s'est passé durant les dernières années. Et donc avec ces nouvelles informations, on va se diriger à nouveau vers Blue Corp. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter, mais le message n'a pas été bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je bien assez clair? Limpide. Là, on peut présenter. On va commencer. On va parler de chantage. Rien ne sert de poser une question aussi directe à quelqu'un d'aussi tordu. J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose entre les dents? Ah non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne retenez pas vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je ne m'en tiendrai pas rigueur. Donc, on va présenter quelques éléments. En commençant tout de suite par la couverture de presse. C'est le seul indice que Mia m'a laissé.
J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il y tournait des fonds publics en secret. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia! Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot, White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez corrompu, vous l'avez espionné, vous l'avez fait chanter. Vu que vous avez compris qu'à peu près Blue Corp était basé sur le chantage, on va dire qu'on l'a fait chanter. Vous pouvez y chanter. Chanter? Et pas seulement lui. Vous menacez et tyrannisez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous ces cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de, cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation! Monsieur Wrong, qu'est-ce qui voudriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wrong est parti! Très bien, monsieur. Vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, monsieur White. Vous avez raison, vous avez tort. Vous avez raison. Puisqu'en fait, le tueur... Si, vous avez bien compris. L'esprit, c'est pas Mea. C'est pas Mademoiselle Vril. La seule personne qui l'aurait pu faire, c'est lui. Vous avez tout à fait raison. Je devrais peut-être à la recherche du meurtrier alors qu'il est. Mais en fait, j'ai fait mieux. J'ai trouvé. Il est assis juste en face de moi. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces. Elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous avez demandé à Mach Avril de la mettre sur écoute. Mia a été ensuite tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors le coupable est... Allons, monsieur White, même un enfant pourrait trouver la réponse. C'est vous qui l'avez tué! Secrétaire, j'écoute. Inutile de raccompagner monsieur Wrong. Passez-moi plutôt dans le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. White, c'est vous? À quoi ça rime de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis, je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? Il a même mis à fait. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit que vous ne voudriez pas venir au tribunal. Du calme, je vous ai dit que j'avais tant d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme qui est juste là, devant moi, il a l'air ahuri, il pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau! Le massacreur! Le joyeur! Le tueur, enfin! Quoi? Monsieur White, ce n'est pas c'est pas encore une de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police, maintenant. Je vous ai pas dit, monsieur Wrong. Vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé pour meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom vous défendra. J'ai relation enfin d'une association vocale des avocats, voyez-vous? Vous auriez un avocat tellement incompétent qu'à côté même vous, vous auriez l'air doué. Je me sens pas très bien. Inspecteur Dick, détective au rapport, monsieur! Ah, mes fesses, poil des fesses! Putain, poil des fesses! Poil des fesses! Bon, oula! Wright, en fait. Phoenix Wright. Et mon ami s'appelle Paul. Oh, ouais! Désolé, mon gars! Des fesses, c'est mon sauce de meurtrier, n'est-ce pas? Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wrong. 8 septembre, 15h37, chambre de détention, parloir. Je n'arrive pas à croire qu'il soit écoulé un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai une idée.
Right? Enfin, right! Phoenix! Oh, Maya. C'est génial, ils vont nous libérer. Oui, juste à l'instant, c'est grâce à toi, tout ça. Ah, mais j'ai bien peur qu'on nous ayons échangé de place. Oui, puisque on est du autre côté. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Maya est dans la partie prisonnée de la prison. Va m'expliquer. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère? Ma sœur? Et maintenant toi? C'en est trop! Phoenix, dis-moi s'il y a quelque chose que je dois faire, que je puisse faire. Eh bien, défendre lors du procès, m'encourager lors du procès, m'aider à m'évader d'ici. Prison break! Non, on va lui demander de m'encourager. Eh bien, vous pouvez venir m'encourager au tribunal. T'encourager? Tu veux dire comme une pom-pom girl? Oui, comme ça. D'accord, je m'en charge. Ah, je vais aller chercher une jupette et des bonbons. Maya en pom-pom girl, ouais, ça va être beau. Attendez. Quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que je puisse y faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire si 4 mon vérité à ce type. S'il n'avait que 4. Oh, d'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je vous montrerai un ou deux trucs. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. Les plupart sont bloqués en une journée, principalement avec une condamnation d'accusé. Je n'aurais jamais cru un jour que je me retrouvais moi-même dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, c'est lui ou moi. À suivre. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Puisqu'on a fini la partie investigation. On se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play, épisode 11. J'espère que ça vous aura plu. C'était TGF, stay tuned!